Salut à tous, c'est Malik, j'espère que vous allez bien. Non, tu peux rester tranquille, donc c'est Amar qui porte le casque. Alors, bonjour amis footeux, bienvenue sur Téléfooting. Pourquoi Téléfooting? Parce que quand deux meufs jouent au foot, c'est du footing. C'est vraiment pour ça. Donc aujourd'hui, dans le coin gauche de votre écran, vous avez Amar. Non, moi je suis Barça. Moi. Ah, t'es le Barça, donc ouais. dans le coin droit, pardon. Vous avez Ama et dans le coin gauche, vous avez Steve Wood. C'est Steve Wood. Alors, j'ai le fils dans les bras. Bon, c'est un live à l'arrache, hein, je vous le dis honnêtement. J'espère que déjà ma voix, vous l'entendrez bien. Stevie, tu lances la partie ou t'as besoin d'une invitation? Non, c'est bon, vas-y, je suis prête. Ama, tes ressentis sur le match, qu'est-ce que t'en penses? On a parié un Kinder Pingoui. Un Kinder Pingui. Tu vas te ruiner. T'inquiète pas. Amar, un Kinder Pingui, ça coûte cher. Avec un deal comme lui. Oh. On va voir ça, fait jouer match là. Arrête de faire des schmilblick pour rien. Attends. Ah là. Alors c'est dommage parce que j'entends pas les fans de Stevie puisque c'est mon frère qui porte le casque. Donc Amar, je compte sur toi pour sortir des vannes et lui taper une onde phénoménale. C'est moi, je vais le sortir de la gounette. Le match aller, t'as perdu 2-0. Le match retour, t'as perdu 2-0. Mon frère, il va continuer cette lancée de victoire, d'accord? Ouais, tu vas perdre. Ouais. Regarde bien, les gars. Vas-y, je regarde, je suis là, je suis tout attentif, là. Vas-y, regarde bien. Ah, un joli petit passement de jambe pour le Real. Le Real qui attaque très très fort. Belle passe en profondeur. Le premier but. Et non, belle interception du gardien. Donc, Amar qui part en contre-attaque, il fait des passes, il construit son petit chemin. Amar qui s'arrête, hop, qui fait une passe in extremis. Amar qui jette. Ah, ben. Ouh, petit lob. Il me l'a mis. Non, vous ne rêvez pas, messieurs dames, vous ne rêvez pas. Steve vient de se manger un petit lob. Alors, 1-0 pour le Barcelone. Le Barcelone qui est en forme hein, aujourd'hui. On peut le dire, Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous êtes d'accord avec moi? Jean-Jacques, je te parle. Ouais. Oui, Jean-Jacques, c'est Amar maintenant. Mais le Real n'a pas dit son dernier mot avec une superbe frappe de je ne sais pas qui. But. Quel dégagement. Le Barça dans toute sa splendeur. Amar, t'as intérêt de gagner. Ah ouais. Ah, je lis. Non, ça arrive, oui, c'est bon. Voilà, c'est bien. Contre-attaque, Amar, contre-attaque. Comme je t'ai appris. Amar, t'es mon poulet, comme je t'ai appris. N'aie pas peur. Frappe croisée, elle va passer. Vous ne rêvez pas. Stevie, viens gars. Hey, il est chaud, attends. Attends, laisse-le jouer, tranquille. Le contre, il faut aller vite maintenant. Je suis désolé si ça fait un petit bruit. Alors Stevie, vos impressions? Ben écoute, ma mère elle meurt, je vais gagner je crois. Ma mère elle meurt, c'est pas bien, c'est péché. Alors Stevie, franchement, tes impressions? Bah je suis zozo, je dois voir aller au magasin, acheter un Kinder Pingui. Ah ouais, un Kinder Pingui, c'est un Kinder Pingui. Hein. Ouais, okay. T'as pas intérêt, sinon moi je porte plainte pour publicité mensongère. Ok, je vais ramener un petit putain Kinder Pingui. Un Kinder Maxi Pingui. Il est là le vrai. Et sinon, les deux buts à peine 9 minutes de jeu, tu les sens bien passer ou... Ça va. Attention, Stevie qui part en contre-attaque. Va-t-il marquer? Non, il s'arrête, il fait un devis. Il s'est fait prendre le ballon. Ah, récupération, re-récupération. Passe. Amar qui fait des passes dans le vent, il s'amuse Amar, hein. Là il est en train de fermer ses yeux. Il fait des tours sur lui-même en jouant, franchement. Quelle humiliation Stevie, quelle humiliation. Je sais plus quoi dire, j'ai trop dit de choses. J'arrive plus à dire des choses. Ah, Stevie, je te laisse la parole, vas-y. Attends, je me concentre là, je te parle. Stevie qui essaye de construire son jeu, frappe croisée mais il a assassiné son propre joueur. Stevie. Non, son air. Même pas. Ouais, c'est vrai, j'ai tapé mon joueur. Ah, t'as tapé ton joueur, on l'a vu, il est tombé par terre. Ah, mauvaise relance d'Amar. Va-t-il se rattraper? Oui, c'est bon. Il est parti pour une contre-attaque.
3 vs 2. Hors jeu. Hors jeu, dommage. Monsieur l'arbitre est vraiment très sévère avec Amar. On ne sait pas pourquoi. C'est vraiment un arbitre de merde. Il faut dire ce qui est. Amar qui fait une passe en profondeur. Va-t-il la récupérer? Non. Il y a C'est quoi? T'es où toi? Toi, t'es là toi? Ok. Donc Higuain, faut faire attention. Il est très très dangereux. Passe en profondeur. Réception de la tête d'Amar. Non, oui, non, oui, non aussi. Ah, ah, le crochet, papa. Bien joué. Stevie qui est concentré, hein, comme vous pouvez l'entendre, vous ne l'entendez pas, c'est normal. Ah là là, face à face. Ça marche une fois, Amar. C'est de la chance. Voilà, mais il était beau, franchement, le premier. Franchement, il est beau. Ah, franchement, il est tapé. Mais ton gardien, il n'y a rien lâché quand même. Amar qui fait une passe en profondeur entre deux joueurs. Interception de Marcelo, non, si. Marcelo. Hop, Cristiano Ronaldo. Oh là, Cristiano Ronaldo qui a l'habitude avec Stevie de dribbler l'herbe, puisqu'il ne dribble pas les joueurs qui est en face, il tourne le dos. Ah, un contre-chanceux, oui, ça va passer. Pourtant, Stevie, t'as dit que t'étais chaud, hein. Bah ouais, mais je sais pas. Non, t'as joué toute l'après-midi. Allez, Amar, tout seul, pousse ton ballon, sinon. Ah, dommage, Amar, il a trop voulu en faire, c'est dommage. Ah là 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 là. Alors, Jean-Michel Larquet. Vous en pensez quoi de ce match? Allo Jean-Michel. Et le but. Et le but de la tête de Xab. Ouais, ça se dit. Xavi Alonso. Xavi, c'est un X, on dit Xavi. Ok. C'est espagnol. Je suis espagnol. Donc Xavi Alonso qui a marqué un très beau but de la tête. Amar va-t-il être déboussolé par ce but en... Non, il n'est pas la fin de la première mi-temps. Va-t-il être déboussolé par ce but, Amar? Et les gens, ils vont détester ma voix parce que je parle. Ils vont dire, putain, il va fermer sa gueule, bouffon. Enfin bref, je suis là pour commenter le match. On m'a demandé de commenter, je commente. Passe en profondeur, interception de Sergio Ramos qui la passe à Marcelo. Marcelo qui se la passe à lui tout seul. Cristiano Ronaldo qui fait de la merde comme d'hab. Ah, joli contrôle de Xavi Alonso. Ça sent la frappe croisée. Encore Stevie avec ses choix bizarres. C'est pas grave, c'est pas de sa faute. Yenné, il lui manquait un cerveau, le pauvre. toujours à la recherche. Si vous trouvez un petit caca par terre, c'est le cerveau de Stevie. Ne marchez pas dessus, s'il vous plaît. C'est important. Donc revenons-en à nos moutons. Stevie qui se fait toujours dominer 2-1 par Amar. Qui, rappelons-le, Amar est la personne la plus faible qui joue à FIFA. En tout cas, t'es le plus faible que je connaisse. Hein. Enfin, non. Maintenant, t'es plus le plus faible. Puisque si tu bats Stevie, c'est Stevie le dernier de la classe. Stevie va-t-il. Premier but de Cristiano Ronaldo, mais deuxième but de la tête. Amar va-t-il se laisser submerger par toutes ses émotions? Il est en train de pleurer. Amar, ça va? Prépare ton porte-monnaie. Je mets un Kinder Maxi Pingouille. Hey, t'as pas rien. Maxi, Amar, tu vas devoir faire un crédit. Amar, pense à ça. Marque un but, Amar. Ah, t'es dans un angle fermé. Dommage. Monsieur Kilomètre. Qui a franchement très très bien remonté en cette fin de deuxième mi-temps. Va-t-il marquer un troisième but? Réponse dans le troisième épisode. Hein, on n'en sait rien. Amar qui fait des frappes, il joue le temps. Amar, il veut pas s'en prendre un. Amar qui attaque très très fort. Oui, Amar crochet. Oh, Amar, t'es nul. Il reste une minute de temps. C'est quoi ça? Oh bah ça... Le port. Celui-là est sorti du fond du cœur. Ouais. Viens de commenter la partie. il est sorti, mais violent. C'est le Gezouz. Avec le Kinder Pinguin, ça fait un mélange bizarre. Donc, après une interruption d'un supporter vraiment très désagréable, le premier lob, et au ralenti, très joli. Faut appuyer sur A. Donc, les pourcentages sont un petit peu serrés. 52% pour Amar, 48% pour le Real de Madrid. Stevie, un petit commentaire? Non, attends, je vais me concentrer là. Viens pas dans la partie. Non. Allez, tu reprends le match. Ah, que d'émotion dans ce match, hein, vraiment. J'espère être rémunéré pour ce commentaire. Tu me donnes aussi un Kinder Pingui. Hein. Un Kinder Pingui. Un Kinder Maxi, pardon. Donc voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Amar, un petit mot
Sur la deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu comptes faire, tes stratégies Rien. Rien du tout. Il y a rien à faire avec nous. Oh, la première taille. Oh. J'ai envie de lui dire d'accord. Oh, il t'a répondu d'accord. As-tu quelque chose à répondre à ça? Je paye ta blague. Je te paye. Allez, c'est parti. À marche, compte sur toi. Hein. Sinon, je dis plus que t'es mon frère dans la vidéo. Voilà, SDF chez moi. Allez, c'est parti. Allez, Stevie qui fait un peu n'importe quoi. Il va perdre le ballon s'il continue comme ça. Ah, jolie interception de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui se balade dans la défense. Non, récupération d'Amar. Amar qui veut jouer avec l'arbitre, mais l'arbitre lui a mis avant. Allez, c'est parti. Amar qui monte. Oh, il fait n'importe quoi. Amar, il s'enflamme, il fait n'importe quoi. Il n'est pas concentré, ça se sent, ça se voit. Stevie, lui, ne parle pas, donc il est à fond, à 100% dans le match. Oh, 100%. Non, à 200%, pardon. Ah, joli. Ah, putain, et c'est dur de faire commentateur. Hein. Ouf, je vais vous raconter une blague, ça, c'est mieux. Un jour, j'étais avec Stevie, et il est passé sous une voiture. Et j'ai attrapé une troisième couille. Quand je l'ai vu, on l'a appelé trois couilles, voilà, pendant au moins 8 ans. Oh, il était bien rentrant. J'ai aussi une anecdote sur Stevie. Stevie, il a deux sœurs. La première s'appelle Mélodie, la deuxième s'appelle Coraline. Et Coraline a foutu tout nu Stevie dans la douche et Stevie pleurait. Arrête, j'avais 7 ans. Il m'a pas dit arrête, c'est pas vrai et tout. Il m'a dit arrête, j'avais 7 ans. Donc, bah, c'est vrai en plus. Stevie, à cette époque, était très très traumatisé. Il ne faut pas le brusquer. Stevie, j'espère que ça va mieux. Tes antidépresseurs font effet, à mon avis, non? Ah. Petite percée, petite. Oui, Amar. Face à face avec le gardien, Amar. Ah! Oh putain, j'ai mal à la gorge. Hey, YouTube, il va me censurer à cause de toi. Amar, un petit mot pour le but. C'est quel début? Oh, c'est que le début, j'ai entendu. Mon téléphone, il sonne. Sans. Ah, jolie passe d'Amar, de Stevie. Jolie interception d'Amar, pardon. Balle en profondeur. Amar revient au milieu du terrain. Ah, dommage. Ah, mais putain. Amar, ah, dommage. Et c'est trop dur de commenter. En plus, quand t'as mal au nez, c'est dur. Moi, j'ai mal au nez. Mon nez, il me pique. Mes yeux, ils piquent. Tout pique. Superbe passe, attention. Je sais pas si on va l'entendre, Kenzo, parler. Oui, c'est sûr, on l'entend. Donc elle se fait allô, c'est tonton. Iniesta. Amar, oui, bien joué de la part d'Amar. Amar va-t-il un petit crochet, un deuxième crochet? Oula, il s'est fait accrocher la jambe. Attends, chaud. Je l'ai. Il s'est entraîné ou quoi? Il s'est pas entraîné, c'est la première partie. Par contre, quand t'as joué tout l'après-midi, honte à toi, Stevie. Moi, je te conseille de vendre le jeu, puisque franchement, ça te sert à rien. Tu perds ton temps, mec. Et va faire cuire du poulet. Ah ouais. Touche. Amar qui effectue une touche. Il y a un petit cafouillage là. Non, c'est bon, ça passe. Allez, monsieur Kilomètre. Monsieur Kilomètre qui s'énerve. Il perd 3-2. Je rappelle, un Kinder Pingui est en jeu. Mesdames et messieurs, un Kinder Pingui maxi. Faites attention à vous. Hein. Et Amar fait un crédit. S'il perd la partie, Stevie perd toutes ses économies. Donc les deux seront dans la merde. Hein. Faites attention à vous. Jolie, jolie relance de la tête d'Amar. Allez, c'est parti. Voilà un attaquant capable de Stevie, il est remonté là. Oh putain, Stevie, il est chaud. Ça s'entend dans ta voix, Stevie. Eh, faut parler, mec. Genre, je suis une vidéo, merde. Parle pas. Ah là, attends, je suis concentré. Eh, mais déjà, c'était concentré en jouant contre Amar. Cherche même pas, c'est déjà une honte. Amar qui fait un joli 1-2. Il est. Ah, Marc qui fait n'importe quoi, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ah, une mauvaise relance de la part de Stevie. Non, il est en hors-jeu. Non. C'est pas ce cafouillage. Oh là, Stevie, t'as fait un truc là. Comment ça s'appelle ça? Un sombrero. Oh là, Stevie. Bah, Stevie, je sais pas comment, putain. Non, je peux pas là. Il peut pas. Stevie est avec Ozil. Ozil qui n'a plus d'énergie. De Ronaldo! Regarde ça! Ralenti. Mesdames et messieurs, très beau but. Le sombrero avant et l'action de Coupigny. Ah, franchement, Amar, même si tu gagnes, tu dois donner la moitié du Kinder. Moi, je te le dis. C'est fou, il double de l'entier là. Ah, t'as fait une action. C'est pas comme si t'avais joué toute la marque. Ah, mauvaise relance de Stevie.
récupération, twist, n'importe quoi. Stevie qui a eu beaucoup de chance donc dans l'action précédente et qui lui merde, j'arrive pas à commenter, putain ça fait chaud. Amar, faut pas perdre hein. Eh sinon 10 coups de martinet hein. Amar, tu rentres à la maison, ceinturon direct, fais attention. Amar, quand tu parlais de la ceinture, il s'énerve. Amar qui va marquer un but. Amar qui peut être aussi, il fait n'importe quoi. Bien joué Amar. 10 coups de ceinture, tu verras à la maison. Ensuite, Stevie en contre-attaque, oui, non. Non, oui. Va-t-il rentrer dans la défense de Steve de Amar? Oui, il est. Ah, le mauvais joueur. Normalement, rebien la faute, mec. Ah mais t'as laissé l'avantage. Mais c'est quoi cet arbitre pakistanais qui ne s'est pas arbitré, franchement? Allez, Amar qui part en contre-attaque avec beaucoup de chance. Oui, balle en profondeur, bien joué Amar. Amar va-t-il la marquer? Bah c'est toi aussi, tu fais à lui de frapper direct, non? Lui vient, il fait un devis. Ah, Stevie qui est dans la défense d'Amar. Stevie qui fait n'importe quoi. Nous avons là affaire à deux manchots. Oui, car ils ne jouent pas avec leurs mains, c'est pas possible autrement. Stevie, un petit mot sur le match, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? T'as l'enculé, mais devant depuis tout à l'heure. Mais non, attends. Bah quoi, attends, tu fais n'importe quoi. Ah, bien joué, Puyol qui, je le rappelle, fait 30 mètres de large, aucune balle ne passe. Bah 3-3. Perdu. Franchement, c'était un beau match. Non, il n'y a pas de prolong puisque c'est un match pour la coupe. Bah, tu vois, on peut faire le retour, il n'y a pas de problème. Ah, bah, attends, je vais couper la vidéo, là, ça fait déjà 16 minutes. Putain, il faut baisser le temps, mec. Hein. Hey, c'est pas toi, après, ton ordinateur, il tourne toute la nuit et tout. Enfin bref, Stevie, un petit mot de la partie. C'est vrai que t'as effectué quelques belles actions, mais on peut mettre ça sur le dos de la chance ou pas? Non. Non, Amar, on t'écoute. Eh, je suis remonté en possession. Hein. Ah, alors, pour qui est le Kinder Pingui? Pour qui est-il? C'est pour moi. Tu te poses la question. C'est pour moi parce que j'ai 51% de possession. Et voilà. Ah ouais, ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu plus de possession. Ah, mais. Tu gardes le Kinder Pingui, mais tu laisses l'emballage à Amar. D'accord, ça marche. Ou je lui donne le jouet. Bon, les gens, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que je vous ai saoulé parce que moi, personnellement, ça m'a saoulé. Comment ils font, les Thierry, Jean-Michel Marquet et tout attends, ça? Attends, j'ai une blague. Ah, vas-y. C'est à l'état, il croyait qu'il se réveille, il croyait qu'il était devant votre petit. Attends, quoi, j'ai pas compris. C'est à l'état, on a l'un de 20. Donc, c'était la blague, hein, Amar. Un tétard. Mais j'étais bien sur le tétard, c'est très important. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!